extrêmement dur d'être démocrate, surtout quand on est face à des gens qui attaquent les démocraties. Parce qu'on a tendance à confondre démocratie et faiblesse, et en même temps, si on devient trop dur, si on finit par ressembler à ceux qu'on combat, les antidémocrates, on s'est tué nous-mêmes. Donc c'est très fatigant d'être démocrate, mais ça reste très bon. Je pense que le mal de notre époque, c'est le cynisme. On n'est pas en danger directement à cause du terrorisme, sauf évidemment parfois physiquement, on n'est pas en danger à cause de la montée des extrêmes directement. Ce qui nous tue, c'est si on devient cynique par rapport à tout ça, si on finit par ne plus croire en nous-mêmes, en la démocratie, en la vigilance, au fait que ce qu'on incarne reste le plus beau des systèmes à l'exception de tous les autres, alors oui, là on a perdu. Donc notre pire ennemi, c'est le cynisme. Je ne vais pas vous mentir, moi je suis un peu troublée par le mot positif, mais je comprends l'objectif du forum et d'essayer de justement mettre en valeur plutôt ceux qui construisent que ceux qui détruisent. Et dans un monde très, très, par définition, traumatisé, terrorisé, et donc préoccupé par ceux qui détruisent, c'est très important de mettre en valeur ceux qui construisent et qui résistent. Pour moi, l'économie positive, c'est une économie durable, sociale et qui construit.